Bonjour à tous. Mimo le comeback. Aujourd'hui, Mimo va décider pendant 24 heures tout ce que je vais manger. Tout, sans exception. Là, j'ai une petite idée. Non, me fais pas la misère, s'il te plaît. Vous allez voir. Allez, on va à la boulangerie là ce matin. C'est parti. Oh non, il est pas là. Il a pas ce que je voulais. Pour moi, tu prends. T'as tellement de chance. Je te déteste. J'ai une idée. Mais là, je les prends avec moi. Non, mais elle est en train de faire la misère. Regardez. Ça m'a pas l'air bon du tout. Moi, je te donne une chose. Mon café au lait du matin. Je te t'accorde ton cappuccino. Mon cappuccino. Je te l'accorde. Allez. Vous vous souvenez quand je suis venue en Savoie la dernière fois, il n'y avait pas du tout de neige. Et là, il neige de ouf. Tu vas souffrir. Tu vas être tellement dégoûtée de ce que je t'ai pris. Mais non, ça a l'air bon. Hein. Non, en vrai, ça a pas l'air bon. Ah ouais? Moi, j'adore la banane. Hein. Salut. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller, parce que moi, j'ai une visite médicale avec Sarah. Tu peux prendre ton chocolat chaud, ton cappuccino, comme tu veux. Ça, je te l'autorise. D'accord. Mais tu dois manger le truc que je t'ai acheté. Okay. Et tu manges que ça ce matin. Pas de pain, pas de truc à côté, pas de sucre. Je veux que tu manges que ça. Et quand je reviens, on verra. Elle m'autorise à prendre mon cappuccino. En vrai, franchement, t'es gentil, t'aurais pu me dire non. Ouais, mais la journée n'est pas finie. Alors, Mimo m'a concocté un petit mélange sympatoche. Donc, Tradishok, ça, j'adore. Donc ça, je pense qu'elle a voulu me faire plaisir. En fait, à la base, Mimo, elle voulait me prendre une pâtisserie avec de la liqueur de poire. Mais alors, si elle avait fait ça, je crois que j'aurais vomi toute la journée. T'imagines, tu manges ça le matin, ça dégoûte. Et en fait, la boulangère, elle nous a conseillé un gâteau que elle aimait moins. Et c'est à la banane. Sauf que moi, j'adore la banane. C'est ça. Ça me plaît bien. Mais je sais pas du tout ce que c'est, quoi. Tu veux goûter? Ouais, vas-y. Chamimo, c'est bon. Banane, caramel, sablé. Il est mignon. C'est bon. Ouais. La boulangère, elle disait qu'elle trouvait que c'était un peu chimique pour elle. Parce que la banane, ça peut être chimique, tu vois. Ouais. Moi, je trouve pas, c'est super bon. Même pour le matin, ça passe. Moi, j'aime trop. Je trouve ça trop bon. Par contre, je sais pas c'est quoi au-dessus, là. Il y a de la mousse à moitié. Je reconnais pas. Et là, ça fait un peu, ici, amande, on dirait. Par contre, Mimo, elle va goûter, hein. Il y a pas moyen. Qui connaît la Tradishok? C'est du pain avec des pépites de chocolat. Ça n'a pas le goût de pain-pain, je sais pas ce que t'en penses toi. Enfin, il y a beaucoup de mie, tu vois. Ouais. Ça, je kiffe quoi. Alors, on a dur. Alors, les amis, elle va goûter le truc que soi-disant c'est pas bon. Moi, j'aime pas ça en vrai. Déjà, quand il n'y a pas trop de chocolat, ça m'énerve. Je suis sûre qu'elle aime ça. Non, arrête, tu mens, c'est bon. Bah. Moi j'aime pas ça. C'est pas dégueu. C'est pas mauvais, des gens l'aimeraient. Mais bien moi, c'est pas un truc que j'aime. Avec Cassie, on a trop kiffé. On a trop kiffé. Genre vraiment, moi je suis très chocolat et tout, et là c'est de la banane. De la banane. Avec du caramel, tu sens ouais. Le caramel? Bah j'aime pas les deux. Une bretonne qui n'aime pas le caramel. Faut le faire quand même. Bon allez. Voyons, on va dehors. Regardez mes cheveux. Je fais ma petite curly hair routine. Tu te vois? Il y en a plein qui demandent c'est quoi ta curly hair routine. Ah, je veux pas révéler tous mes secrets. Nous sommes au restaurant et Mimo va décider de ce que je mange encore pour ce midi. Elle est trop contente. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Que tu allais souffrir. Oh, pas une tarte aux myrtilles. Oh non. Il y a pas le roman. Merci. Alors Mimo, explique-moi ce choix de Diabolo Menthe. C'est ce que je déteste le plus. Moi j'aime bien. Ça fait tellement dentifrice. Voilà. C'est vrai que ça fait très dentifrice. Mais vas-y, pourquoi pas? J'ai un peu le seum. Parce que j'aurais choisi. Mais ok. Donc Mimo m'a pris du coup un burger. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas trop il n'y avait pas trop d'options végé. Du coup bah burger avec du chèvre et des frites. Il est archi bon.
galette de pommes de terre, oignons, une sauce cocktail, de la salade, des cornichons. Et franchement, le burger, il est super bon. Frites maison. Elles sont bonnes. Je préfère les pizzas que les burgers. Mais non. Oh ouais. Je préfère les burgers que les pizzas. Donc, team pizza. Team pizza. Demain. Ah non, burger. Burger. Vous êtes team quoi, pizza ou burger? Commentaire. J'aime beaucoup. Ah, il est trop bon. Mais j'aime beaucoup. Ouais. Les frites étaient bonnes. Mais tu veux m'achever? Un crumble à la myrtille. J'aime pas trop la myrtille. Merci Mimo. Par contre, vous avez tous goûté, hein, moi je vous le dis. Hein. Parce qu'après le burger, j'en peux up. Hein. Moi j'aime des goûts. C'est chaud. En vrai, c'est bon. Mais vraiment, la myrtille, j'aime pas ça. Mais le crumble est très très bon, il y a de la pomme. Mimo, tu vas goûter. Merci. Et ce n'est qu'un début. Parce que je te vois, mais t'as pris la moitié du truc. Sinon. Je sais pas. T'as rien pris, t'as vu. Je sais pas. J'avais de la tuer. J'avais de chocolat. Oh. Aidez-moi à finir. Je peux plus. Du coup, le burger il était super bon. Diabolo menthe, bah j'ai un peu peiné à le finir parce que c'est pas mon délire. Mais le crumble myrtille en soi il était bon, hein. C'est tout est fait maison, c'est excellent. Moi je suis pas fan du tout de la myrtille quoi, c'est. Pff. Bon, les petits loups là, ce qu'on va faire c'est qu'on va skier. Du coup, je vais vous poser parce que moi je suis une casse-cou, je tombe quand même pas mal. Et donc voilà. A few moments later. Écoutez les amis, je vais tricher, mais faut pas le dire à Mimo. Je prends du pain au Beaufort. Quoi? Bah rien. Ouais, dis-moi. Rien du tout. Alors, c'est quand je vais rentrer en avril. Ouais. Oh non, tu filmes. Tu triches encore dans ta vidéo. Y'a pas une vidéo, elle a pas triché, c'est trop dingue. Tu le 48 heures sans sucre, j'ai pas triché. Eh, c'est trop bon ce pain au Beaufort là. Lily. Mais je l'avais pas annoncé. Bah t'as dit sur Instagram. Oh mais y'en a qui me suivent pas. Je vais être là. Y'en a qui me suivent pas sur Instagram. Donc, attends. Souvenez-vous, dimanche, dans mon 48 heures sans sucre, je vous ai dit que je m'étais inscrite au PVT Canada. Je me suis inscrite le 20 décembre 2022. J'ai été tirée au sort. Non mais c'est pas fou. Le lendemain où je poste ma vidéo, je suis tirée au sort pour le PVT Canada. Mais c'est incroyable. Genre la meuf elle est inscrite un mois, ça fait 3 ans que je suis inscrite et j'ai pas été tirée au sort. Moi ça fait un mois. Quand je vous dis les gars, j'ai de la chance, j'ai chaud là. Regardez, moi je suis rouge. Moi aussi j'ai chaud. Mais moi j'ai été pliée quoi. Voilà, donc les gars, je vais officiellement aller au Canada. Sans moi. Ah, si tu vas venir. On mangera de la poutine. J'ai trop envie. Et Mimo, elle va potentiellement être tirée au sort, mais on y croit pour Mimo. Croyez, votez, mettez dans les commentaires, on y croit pour Mimo. On peut mettre des emojis dans les commentaires? Ouais, bah oui. Mettez des emojis très flag à de feuilles. Pour Mimo, allez. Ouais. Finger cross. Par contre, j'ai pas goûté du coup parce que bah, j'avais pas du tout faim après le repas de ce midi. Nous nous dirigeons vers le restaurant L'Estanco. Tu peux faire une dédicace? Vas-y. Dédicace à Tonito. Tonito. Je peux faire un blablabla de plus en plus près, ça coupe la caméra. Vas-y, fais ça. Mimo. Ouais. Me fais pas trop souffrir ce soir. En tout cas, ça va être du beau contenu. Et ça, c'est ce qu'on veut. C'est ça qui vous plaît, les Mimos. Qu'est-ce qu'on dit de la peur, Mimo? Elle n'évite pas le danger. Ah, et là, on monte une pente, les gars. Oh. Laisse tomber, quoi. San Francisco. Ouais, je suis vraiment du coup. Je vais manger pas.
Non, en vrai, tu sais quoi, je me la garde. Hey, c'est trop bien ça là, c'est offert. C'est offert par la maison. Mimo, tu m'autorises à goûter, Mimo? Je peux goûter? Oui, c'est quoi, c'est une quiche aux légumes, elle a dit quoi? Oh, c'est excellent. C'est excellent. On est d'accord, tu lui prends ce qu'on a dit. Mimo m'a pris un punch antillais. Moi, j'ai le seum contre toi, Mimo, là. Je détestais ça. Ah, bah, elle est bon. Mais on sent pas l'alcool. T'es sûr qu'il y a de l'alcool, non? Ouais, goûte. C'est super bon, je suis trop d'aigle. Il y a un goût un peu de... Ah si, un petit peu d'alcool. Ah ouais? Ok. Ça va être une petite surprise pour mon ami. Est-ce que tu as bouché mes oreilles? Non, je vais juste montrer. Elle prendra ça. Oui. Voilà. Il y a une sauce fumée au chocolat. Ah oui, c'est vrai. Il y a une sauce fumée au chocolat? Non mais c'est incroyable. Mais écoute. Ok, alors, ils m'ont pris... Des tagliatelles aux gambas. Des tagliatelles aux gambas. Donc du coup les gambas je vais leur donner parce que j'aime pas ça. J'ai peur. Ça pique. Piment mexicain. J'en meuf et cette fiasse. Mais alors vous êtes pas prête? Ça va te niquer la bouche. Mais non, vous mais... savez pas que je suis tunisienne. Non mais des premières bouchées, ok. T'as une assiette à finir. Non, une pâte. Bah Mimo va prendre mes crevettes du coup. Mais attends, mais y a vraiment du chocolat dans le plat. Mais je sens pas du tout le chocolat par contre. Mais Mimo, genre ça te pique pas la bouche. Un peu, mais ça va. Ça me picote, mais ça va. Hein. Madame. Les légumes sont très bons, par contre. Ouais. Mais Mimo, tu vas manger toutes mes gambas, je te préviens. Mais c'est fitant. Franchement, elle pique pas. Hein. Là, vous changez la recette, j'ai plus. Mais moi, je suis très piment. Très, 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 très piment. Là, genre, ça me pique la langue, mais sans plus, quoi. Genre, tu peux finir ici. La crème brûlée du jour. En fait, le goût il change en fonction du jour. Et on sait pas ça à quel goût. Je pense que c'est à la fraise. Est-ce que c'est ça ou pas? Je crois que ça, c'est la fraise, ouais. Oh, je sais pas en fait. J'en ai aucune idée. C'est amer. C'est une plante. Le goût est très très bizarre. Ça a un goût de réglisse en bouche. Mais est-ce que c'est pas la même plante que j'ai mangée? T'es sûr? Je crois pas. C'est à la baie de Genièvre. Genèvre. Genève. Genévrier. Je crois que c'est Genève. Et c'est une baie qu'on trouve à la montagne. C'est un peu pensé au Ricola. Ah ouais? Ouais. Ricola. Mais heureusement que t'as la couche de sucre dessus, hein, parce que sinon je peux pas, genre c'est très particulier. Je suis pas fan. Sachez que la conclusion... Quoi? Tu sais pas pourquoi tu m'as regardé. En vrai, j'ai failli te mettre la mèche dans l'œil, je me suis dit non. Hein. Oh non. Faisons cette conclusion. 3 jours après. Ma meilleure amie, alias Maimo. Ah c'était la... Ok. Décide de ce que je mange pendant 24 heures. Est-ce que ça vous a plu? En vrai... Attends, j'ai envie de parler aux followers. Vas-y, parle aux mimos. Le mimo, animal sauvage recherché en Papouasie. Oui, bah en vrai, il n'y avait pas beaucoup de choix. Dans les restos, il n'y avait pas des trucs fous, quoi. Du coup, j'ai vraiment essayé de faire... Le mieux possible. De faire au mieux. J'espère que ça a été divertissant pour vous. Sachant que c'était restreint parce que je mange pas de viande. Tu sais, tu peux être dans la cam... Gouzi. Je suis tellement fatiguée. Gouzi. Oui, être avec une fille comme ça au quotidien. Non, en vrai. En vrai, tous les jours, c'est fou rire. Hein. Alors là, je sais pas de quoi vous plaignez. Alias, gambas. Gambas. On espère... Oh, la bonjour. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Attends, Mimo, on les regarde pas? Ils le font? Attendez. Allez-y, abonnez-vous. Allez, c'est bon. C'est bon, vous avez rien raté de la vidéo. Allez. Vous pouvez nous suivre sur nos deux Instagram parce que Mimo est... Mimo, elle est aussi active sur Instagram, hein? Et ouais, j'ai des followers. Des mimos qui la suivent. Des mimos. On n'oublie pas,
positivité, joie de vivre, bonne humeur. Et comme... Ah oui, mais t'es là. Et je dis comme dirait Mimo, mais t'es là en vrai. Ah oui. Ok. Et... Gratitude. On fait une ultrason, on fait une ultrason. Attends, on fait une ultrason. Vas-y. Vas-y. Et on est parti direct sur l'ultrason. Attends, on refait. Juste pour ça, faut s'abonner. Vous avez de la chance. Hein. Allez, on vous fait de gros bisous. On vous aime fort. Dans fort, le gosier. Oh, on vous aime fort. Des poutous partout. Et à jeudi pour une nouvelle vidéo. Love you. Oh, ultrason.